Bonsoir à tous. Donc, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir. Moi, c'est Pascal Lemerer. Je vais vous parler du rocher de Sisyphe ou comment améliorer ses compétences en développement logiciel. Donc, juste un petit avertissement avant de démarrer. J'ai absolument pas la prétention de vous énoncer ce soir des vérités qui seront valables pour tous. Il y aura forcément des contre-exemples, des choses qui ne s'appliqueront pas à votre cas. C'est normal. J'espère juste vous donner deux ou trois pistes, deux ou trois idées que vous allez pouvoir explorer, mettre en pratique et donc tirer quelque chose d'utile de cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Je suis développeur depuis fort longtemps. Et actuellement, je travaille pour Alma, une start-up qui fait des solutions de paiement différés ou fractionnés. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je travaille comme développeur. J'ai plus de 50 ans aujourd'hui et j'ai commencé le développement alors que j'étais ado. J'avais à peu près j'avais 15 ans quand j'ai commencé à développer. Et j'ai pas fait ça, comment dire? J'ai eu un parcours qui n'est pas forcément très linéaire. J'ai appris beaucoup de choses par moi-même. Après, j'ai suivi une formation plutôt orientée vers le hardware. Et j'ai fait une première partie de ma carrière en faisant du développement souvent de très bas niveau. C'est seulement après une douzaine d'années de vie professionnelle que j'ai repris des études. J'ai obtenu un diplôme d'université en génie logiciel, niveau Bac plus 4. Donc un diplôme d'université, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, c'est un diplôme qui n'est reconnu que par l'université qui l'a délivré. Et c'est avec ce diplôme en carton, entre guillemets, que j'ai rejoint quelques années après Orange, après un passage par une start-up. J'ai rejoint la R&D d'Orange et je me suis retrouvé avec mon petit Bac plus 4. Entouré de gens qui avaient tous au minimum bac plus 5, voire nettement plus, qui avaient fait des prépas, des écoles d'ingé plus ou moins prestigieuses. Et donc, vous pouvez imaginer que le syndrome de l'imposteur, je l'ai subi de façon très, très forte pendant pas mal d'années. Ce syndrome-là, je pars du principe, vous connaissez tous ce que c'est. Donc, on y réagit de deux façons en général, qui peuvent être soit en faire pas assez, soit en faire trop. En faire pas assez, ce serait se préparer à l'échec, prévoir des excuses pour le cas où le projet qu'on nous a confié se passerait mal. On anticipe l'échec systématiquement. Et à l'inverse, en faire trop, c'est dépenser une énergie folle dans tout ce qu'on fait et attribuer le succès éventuel du projet à la quantité de travail qu'on a mis dedans, plutôt qu'à ses qualités personnelles. Alors moi, j'étais complètement dans cette deuxième démarche. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, notamment à me former, à apprendre, à expérimenter des choses pendant 20 ans. Et c'est un peu de ça que je vais partager avec vous ce soir. Avant d'aller plus loin, je voudrais voir avec vous les raisons qui, selon moi, sont qui explique pourquoi il est nécessaire d'apprendre, quand on est développeur en tout cas. La première, c'est de maintenir son employabilité. Comme je vous l'ai dit, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, je continue à bosser comme développeur et je n'ai pas de problème pour trouver un nouveau job. Si j'étais resté développeur flex comme il y a une douzaine d'années, alors que c'est une techno qui est quasi morte aujourd'hui, ça serait peut-être pas tout à fait le même scénario qui m'attendrait pour les années à venir. Donc c'est premier point, rester attirant entre guillemets pour les recruteurs, pouvoir trouver sa place dans une nouvelle entreprise éventuellement, ou rester dans celle où on est. La deuxième, c'est de pouvoir utiliser les bons outils pour le travail qu'on a à faire. Cet outil-là, par exemple, c'est un tournevis de Birmingham. C'est une expression anglaise qui date du 19e, qui désignait un outil qu'on employait pour tout faire, même des choses pour lesquelles il n'était pas du tout adapté.
En informatique, vous connaissez certainement ce syndrome-là. J'utilise, enfin, certaines personnes utilisent toujours la même stack technologique. Quel que soit le projet qu'on leur propose, ils savent déjà quel langage, quelle base de données ils vont utiliser. Ce qui les conduit parfois à tordre les outils pour leur faire faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas du tout adaptés. Et ça finit pas très bien en général. Donc c'est important de se former pour pouvoir choisir les bons outils pour répondre au problème qui vous est posé. Et puis la dernière raison, c'est comme l'a dit un grand philosophe des années 80, pour le plaisir. En effet, quand on ne sait pas quelque chose, quand on sait qu'on ne sait pas quelque chose, c'est une source de stress. En tout cas, ça peut l'être. Et à l'inverse, quand on acquiert de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, ça va libérer des hormones qui sont celles du plaisir. Donc on va littéralement pouvoir apprendre pour le plaisir. Alors ça étant posé, je vais passer maintenant à un problème majeur, c'est comment trouver le temps d'apprendre. Déjà, quand apprendre? Moi, ma réponse, c'est simple, c'est tout le temps, pour pouvoir rester employable, etc., etc. Parce qu'on est dans un domaine qui évolue en permanence. Plus j'en apprends, plus j'ai l'impression qu'il m'en reste à apprendre. Le champ des connaissances dans le monde informatique s'élargit sans cesse et c'est impossible de maîtriser tous les domaines. Il y a toujours plus de choses nouvelles. Donc il faut continuer à se former pour espérer en maîtriser une petite partie, en tout cas celle au moins qui nous est utile. Alors bien sûr, l'objection quand je tiens ce genre de discours, l'objection qui revient tout le temps, c'est j'ai pas le temps. Comment veux-tu qu'on fasse ça? Comment veux-tu que je trouve du temps pour me former? Eh bien, il y a plusieurs stratégies pour ça. La première, c'est de dire, je vais prendre seulement 30 minutes par jour pour le faire. 30 minutes, c'est peu, mais si vous faites ça de façon récurrente, au bout de quelques semaines, vous aurez déjà acquis des connaissances intéressantes et vous pourrez mettre en pratique. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça toute l'année, vous pouvez faire ça uniquement en été, ou pardon, en hiver, quand il fait beau. Un lapsus, la météo en ce moment, on ne sait plus trop quelle saison on est. Donc vous faites ça en hiver quand les soirées sont un peu plus longues, et puis quand les soirées sont plus jolies, ben, faites autre chose, pas de souci. Bon, c'est une proposition, 30 minutes par jour, moi elle me convient bien. Après, il y a d'autres gens qui proposent d'autres choses. Je pense par exemple à MehdiZ. Mehdi, c'est le gars qui est derrière le blog Je suis un dev, qui est sympathique à lire. Mehdi, lui, dit, entraînez-vous 2 heures par jour pendant 3 semaines. Faites quelque chose d'assez intensif pour découvrir une nouvelle techno, par exemple. Voilà. Donc l'idée, c'est surtout d'insister sur la régularité, la récurrence, le fait de répéter, pas forcément tout le temps. Deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que apprendre, c'est un investissement. C'est-à-dire que si j'apprends quelque chose, pour peu que ce soit en rapport avec mon activité quotidienne, avec mes projets, je vais pouvoir mettre en rapport, en application mes nouvelles connaissances ou mes nouvelles compétences, et ça va me faire gagner du temps. Et une partie de ce temps, je vais pouvoir le réinvestir dans de nouveaux apprentissages. Donc c'est un cercle vertueux. Je vous invite à vous former pendant vos heures de travail. Alors, évidemment, ça va dépendre du contexte. Si vous êtes dans une jeune start-up, ça va peut-être être beaucoup plus compliqué que si vous êtes dans un groupe bien établi, un grand groupe, comme je l'étais moi. Mais de toute façon, start-up, c'était déjà tellement formateur en soi que, et c'est peut-être pas indispensable dans ce contexte-là. Mais en tout cas, si vous êtes dans un contexte qui le permet, si l'entreprise a les reins assez solides pour ça, prenez du temps pendant les heures de travail pour vous former. Bien sûr, il faut que votre manager soit d'accord avec ça. Ce n'est pas toujours le cas. Si ce n'est pas le cas, faites-le en douce. Alors, faut pas que ce soit. Revenez à l'idée des 30 minutes par jour, hein. Il ne faut pas que vous passiez des journées entières, sinon ça risque de se voir. Mais faites-le en douce. Et là encore, si vous prenez
pour sujet d'étude, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en œuvre sur vos projets, vous devriez obtenir des résultats que vous allez pouvoir montrer. Et vous allez pouvoir vous en servir pour négocier du temps d'apprentissage à l'avenir. Si votre manager n'est pas réceptif à ce genre de cours, à ce moment-là, allez voir ailleurs. Il y a un marché qui est très très favorable aux développeurs en ce moment. Si on ne vous laisse pas le temps, si les gens n'ont pas compris l'importance de la connaissance dans notre métier, c'est peut-être qu'ils ne vous méritent pas. Vous devriez aller songer à voguer sous de nouveaux cieux. Vous pouvez aussi bien sûr vous former sur votre temps libre. Alors moi, je l'ai fait énormément, mais ce n'est absolument pas quelque chose que je vous dis de faire obligatoirement. Je l'ai fait pour le plaisir. J'aime apprendre. Après, ce n'est absolument pas une obligation. J'ai la chance quelque part, on va dire, enfin, j'ai pas l'habitude de regarder la télé. Je la regarde très très peu. Ça me libère énormément de temps, c'est fou. Alors maintenant qu'on a vu comment trouver un petit peu de temps pour apprendre, on va essayer de s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut apprendre. La première recommandation que je vais vous faire, c'est de prendre des sujets qui vont vous plaire, qui vont vous attirer, ou au minimum qui vous sont utiles. Mais à ce moment-là, si vous sont utiles et vous acquérez des connaissances, ça va devenir agréable au final. En tout cas, c'est bien de se faire plaisir, tant qu'à faire, autant prendre un truc qui nous amuse un petit peu, qu'on a envie d'apprendre. Je vous recommanderais d'apprendre plutôt des principes plus que des technos. Alors les technos, c'est bien, il faut en apprendre aussi, mais le dernier framework JavaScript à la mode, il sera dépassé dans 6 mois. Ou peut-être un tout petit peu plus. Par contre, si vous apprenez des patterns d'architecture, vous acquériez des connaissances sur le domain-driven design. Là, c'est des connaissances qui seront encore valables dans 10 ans. Que vous entraîniez à faire du TDD. C'est quelque chose qui vous servira toujours. Donc ça, c'est des connaissances dont l'investissement est vraiment durable. Si on en revient au framework, essayez de coder votre propre framework. Je ne vous dis pas pour l'utiliser en production, mais pour comprendre comment ça marche. Mettre en œuvre un mécanisme d'injection de dépendance, comment ça marche, un framework JavaScript côté client, voilà, quels sont les mécanismes qui sont en dessous. Une fois que vous avez compris ça, vous pourrez prendre en main beaucoup plus facilement les futurs frameworks auxquels vous allez vous intéresser. Une autre recommandation, alors elle n'est pas de moi, elle est de Andrew Hunt et Dave Thomas, qui ont écrit The Pragmatic Programmer, qui est un grand classique, hein, que je vous recommande. Enfin, l'édition révisée. Donc, c'est d'apprendre un nouveau langage de programmation tous les ans. Alors, ça peut paraître assez énorme, mais moi, je fais ça depuis une bonne dizaine d'années. Et en fait, ça va de plus en plus vite. En ce moment, j'apprends Elixir. Je retrouve des concepts que je connais déjà parce que je les ai déjà vus dans un langage fonctionnel auparavant. Du coup, je progresse rapidement. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps pour assimiler certains des concepts du langage. Je me concentre sur ceux qui sont complètement nouveaux et spécifiques à Elixir. Je vous invite également à sortir de votre zone de confort. Si vous êtes plutôt orienté back, faites du front et vice-versa. Si vous êtes spécialisé en programmation orientée objet, allez voir du côté de la programmation fonctionnelle. Ça m'a ouvert un nombre de portes assez incroyable. Et ça impacte ma façon de coder quand je repasse sur un langage objet. En bien, évidemment. Alors, vous pouvez faire ça notamment dans le cadre de projets personnels. C'est toujours très efficace d'apprendre par la pratique. Je vous y invite vraiment. Regarder des confs, écouter quelqu'un parler, c'est bien, mais on apprend beaucoup, beaucoup moins qu'en pratiquant soi-même. Et essayez de vous donner des objectifs atteignables. Essayez pas de coder un MMO tout seul. Je sais, je l'ai fait. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Après, c'est pas grave de pas finir les projets du moment qu'on en retient quelque chose. J'ai des dizaines et des dizaines de projets abandonnés. C'est pas un drame. Mais ceux dont je suis le plus fier, c'est tous ceux que j'ai pu mener à bout.
Et si vous n'avez pas d'idée de projet, ça c'est quelque chose que j'entends régulièrement aussi, sachez que juste qu'il y a des sites qui référencent des listes d'idées de projet, qui fournissent même parfois des ressources quand c'est des projets avec une partie front-end, ils vont fournir des images, des layouts, etc. Vous allez pouvoir essayer d'utiliser ou reproduire pour le layout. Et puis vous pouvez aussi vous contribuer à des projets open source, hein. C'est toujours une bonne source d'inspiration si vous manquez d'idées. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à de la technique. Allez voir par exemple du côté de la communication non violente, hein, ça peut être très utile pour savoir comment faire des feedbacks lors d'une code review, ou simplement discuter lors d'une réunion avec un collègue quand il y a une situation un petit peu tendue. Allez voir du côté de l'ergonomie, si vous faites un peu de front-end, ça évitera de faire des IHM. De développeurs, comme on dit, pour rester gentil. Donc l'ergonomie, par exemple, je peux vous recommander un bouquin, c'est un livre d'Amélie Boucher, qui s'appelle Ergonomie pour des sites web efficaces, il me semble. Je vous donnerai les références après. Et donc moi, c'est un bouquin qui est très court, hein, et qui m'a appris énormément de choses, qui me servent encore aujourd'hui quand je dois travailler sur du front-end. De la même façon, vous pouvez aussi vous intéresser un petit peu au design graphique, aux couleurs, comment est-ce qu'on peut créer une palette de couleurs harmonieuse, des choses comme ça sert toujours. Voilà, donc maintenant qu'on a vu le quand et le quoi, on va passer au comment. Comment apprendre? Une première idée, ce serait de lire du code. Il y a plein d'occasions pour ça. Ça peut être lire le code d'une lib open source que vous utilisez pour aller voir un peu comment c'est fait en dessous. Lire le code de vos collègues pendant des revues de code ou pendant des séances de pair ou de mob programming. On progresse énormément comme ça ne sert pas les code reviews uniquement à détecter des bugs, ça permet aussi de partager de la connaissance métier, mais aussi sur les façons de faire, du point de vue codage, on va dire, ou architecture ou autre. Voilà, donc lire le code, c'est une bonne source d'inspiration, enfin d'apprentissage, tout simplement. Je vous invite aussi à appliquer ce qu'on appelle l'egoless programming, la programmation sans ego. Si on vous fait un retour sur votre code, même si ce retour est maladroit, essayez de passer outre et essayez de voir s'il y a un fond, une justification à la remarque qui vient de vous être faite. Si on vous dit que votre code n'est pas bon pour des raisons qui sont tout à fait justifiées, revoyez-le, peut-être jetez-le à la poubelle, c'est pas grave, vous aurez appris quelque chose. Et dans le même ordre d'idée, une des choses qui m'a fait beaucoup progresser au fil des ans, c'était de tenir compte des retours qui m'étaient faits, même s'ils étaient désagréables, surtout s'ils étaient désagréables. Un des retours les plus utiles que j'ai jamais eu, c'était pendant une formation. C'était la toute première de la formation que j'avais créée et j'avais invité des gens de mon département, donc pas mal de copains au final qui s'étaient inscrits. Il y a deux personnes qui s'étaient greffées là-dessus, je ne sais pas comment elles avaient eu l'information, mais elles s'étaient incrustées, entre guillemets. Et puis après la première session de cette formation, qui était une session test, il y a eu des retours écrits. Et l'un des deux qui s'était incrusté, c'était quelqu'un qui m'appréciait pas spécialement, c'était réciproque, on s'entendait pas mieux que ça. Et il m'a fait un retour assez désagréable. C'est lui qui m'a mis la plus mauvaise note, et il m'a fait un retour en disant que ça manquait de contenu, etc. Or, sur le moment, j'étais assez énervé. Il est quand même gonflé, quoi. Je l'ai pas invité, il vient, puis en plus, il me casse. Et puis, au bout d'une journée ou deux, une fois que j'avais digéré le truc, je me suis dit, mais il a raison, en fait. Et c'était le retour qui m'a été le plus utile, bien plus que tous les retours bienveillants de mes collègues qui, eux, prenaient beaucoup plus de gants, finalement. Voilà, donc tenir compte des retours, c'est vraiment un moyen de progresser énormément. Alors, la tarte à la crème, un petit peu, ce dont on va vous parler toujours, c'est la veille techno. La veille techno, il faut en faire. Mais ça permet en général
que de survoler des sujets, à part si c'est sur des sujets que vous maîtrisez déjà très bien et on vous dit, tiens, il y a telle évolution dans telle librairie que vous utilisez, etc. Bon, ok, pourquoi pas, mais ça va être sur des choses un peu ponctuelles comme ça. Ça vous permet de savoir les évolutions de vos langages favoris, etc. Maintenant, ça peut être bien pour détecter des tendances, voire des évolutions générales, un petit peu, les technos qui montent, celles qui baissent, et tout comme ça. J'utilise de moins en moins Twitter, que je trouve bruyant, ça me fait perdre beaucoup de temps, ça me distrait, et j'ai pris du recul ces derniers mois de Twitter. Les flux RSS sont loin d'être morts et continuent à être une bonne source d'informations pour moi. J'utilise par exemple, je vais suivre InfoQ, InfoQ.com, ou DevTools de temps en temps, qui sont des bonnes sources là encore. Si vous voulez vraiment creuser quelque chose, plutôt que de faire de la veille techno, allez lire un livre. Là, ça demande un investissement plus fort, forcément. Par contre, on va vraiment creuser un sujet en profondeur. Et puis, les conférences, bien sûr, c'est utile. Encore faut-il en retenir quelque chose. Et pour retenir quelque chose, il y a deux façons de faire que je peux vous proposer. La première, c'est le sketchnoting, prendre des notes de façon graphique. Ça vous oblige à réfléchir à comment je vais représenter graphiquement le concept qui m'est présenté. Donc on va mémoriser mieux les choses grâce à ça. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il suffit d'apprendre quelques principes de base. On peut suivre un atelier de quelques heures et puis arriver à se débrouiller ensuite en sketchnoting. Une autre façon de faire pour prendre des notes utiles qui vont vous aider à mémoriser les choses, c'est d'utiliser la méthode mise au point par Niklas Luhmann. Ce monsieur a été très très prolifique, il a écrit plus de 70 livres au cours de sa carrière, et il avait mis au point une méthode qu'il appelait Zettelkasten. Il avait à la fin de sa vie plus de 90 000 notes dans un classeur comme celui-là, et chacune de ces notes avait un identifiant unique et référençait d'autres notes. Donc c'est ça le Zettelkasten. En fait, il s'était créé une base de données avant l'heure. Donc il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Je vous recommande notamment Obsidian, qui vous permettra de stocker vos notes sur Git. Et ce qui est important, c'est de revoir ces notes de temps en temps, de les relire, de les compléter par ses réflexions personnelles, de les remettre en forme, etc. Et d'établir les liens avec les autres que vous aviez précédemment, etc. Il ne faut pas les enterrer, il faut les retravailler de temps en temps. D'ailleurs, ça va un petit peu de pair avec ce que je vais vous dire ensuite, puisque on se rend compte que les moyens les plus efficaces d'apprendre, c'est les moyens qui demandent le plus d'activité de notre part. Et notamment, le plus efficace de tous, plutôt que simplement lire des textes, écouter des confs ou faire un tuto, un des plus efficaces, ça va être de partager ses connaissances. En partageant vos connaissances, vous allez vous rendre compte de vos propres lacunes, ça va vous amener à les combler, à creuser un petit peu, et c'est comme ça que vous allez progresser, surtout si vous répétez en plus, par exemple si vous donnez des formations. Donc on peut donner des formations, animer des ateliers, écrire des articles, des vidéos, tourner des petites vidéos, etc. Et il y a un monsieur qui s'appelle Richard Feynman, il me semble que c'est Richard, j'ai un petit doute sur le prénom, qui est un prix Nobel de physique, qui est décédé il y a assez longtemps maintenant, une vingtaine d'années je crois. Et il expliquait, il avait une méthode pour apprendre. Cette méthode, c'était de simuler l'enseignement. Vous creusez un peu un sujet et puis ensuite vous essayez de faire comme si vous l'enseigniez à un enfant. Et tout ce qui n'est pas clair, tout ce que vous n'êtes pas capable d'expliquer clairement, ça veut dire qu'il faut le retravailler un petit peu. J'aime beaucoup ce concept que j'ai découvert il y a peu de temps. En conclusion, donc oui, c'est un apprentissage permanent, ça demande du travail constant, récurrent, renouvelé, mais au final, c'est ce qui donne de l'intérêt pour moi à notre métier.
Si je faisais encore la même chose qu'il y a 20 ans, je pense qu'il y a très très longtemps, je m'en serais lassé. S'il n'y avait pas besoin d'apprendre des choses nouvelles, je serais passé à autre chose depuis longtemps. Et je voudrais vous parler pour finir d'un développeur mythique que recherchent de nombreux recruteurs, c'est le développeur 10X. Un développeur qui serait 10 fois plus efficace que les autres. Bien pour moi, le développeur ou la développeuse 10X, c'est celui ou celle qui, en partageant ses connaissances, va rendre 10 autres développeurs ou développeuses plus efficaces. Et donc, je vous invite à être ce développeur 10X. Voilà, j'en ai fini. Je suis prêt à répondre à vos questions. Et je glisse un petit mot de pub au passage. On recrute. Merci Pascal. Tu m'entends? Oui, très bien. Bon, je relaie auprès de toi une question là, qui a été posée sur l'outillage pour les flux RSS. Alors moi, j'utilise InnoReader, un service, enfin j'utilise une version payante. Après, il y a TinyTinyRSS qui me paraît pas mal du tout, que j'ai pas pris le temps de mettre en œuvre. Feedly, je l'ai utilisé, mais je suis pas fan. Après, bon, c'est une question de goût. En tout cas, moi, voilà, celui que je préfère, c'est InnoReader. Il le présente comme un outil pour les power users, avec des raccourcis clavier un peu partout, etc. Il y a des fonctionnalités, mais qui, au fil des ans, deviennent de plus en plus payantes. Donc, c'est des systèmes de filtres, d'élimination des doublons, etc. C'est puissant. J'ai utilisé Netvibes dans une autre vie. Pas sûr que ça existe encore, ça, Netvibes. Juste pour Alors, information, si ça n'existe pas, je lis la question. C'est tout le sujet du débat, mais enfin, voilà, pour moi, le seul développeur 10X qui existe, c'est celui qui va rendre les autres plus performants, plus efficaces, en les aidant à grandir. Netvibes existe encore. Eh ben voilà. Ça confirme ce que j'ai dit à de nombreuses reprises. En partageant mes connaissances, j'apprends. Et là, ben voilà, j'aurais appris au moins que NetVibes existait encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Daily Dev? Ça, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est Daily Dev? C'est un agrégateur d'articles. C'est plus qu'un RSS parce que ça va aller chercher un peu plus largement, il me semble, de ce que j'ai compris. Et ça s'accompagne d'applis, de petites applis pour ton navigateur. Donc ça va s'intégrer à ton Firefox, à ton Chrome, en mode un peu. Et ça va te popper des articles de temps en temps. Et je crois que ça te fait une page d'accueil aussi avec tes news du jour. Mais très orienté dev. Il me semble que tu dois pouvoir choisir un profil aussi pour dire un petit peu, cibler un petit peu ce qui t'intéresse. Enfin, on m'en a dit pas mal de bien, mais j'ai pas testé. Bon, ça a l'air intéressant en tout cas. Je vais aller jeter un œil à ça. J'ai une question, moi, Pascal. Est-ce que tes slides, ils vont être publiés quelque part? C'est juste comme tu donnes pas mal d'outils et de références et de choses comme ça, pour qu'on puisse les retrouver après. Alors oui, bien sûr, je vais les publier. Et le dernier slide que je ne vous ai pas montré, c'est justement la liste des références que je donne. D'accord, ok. Donc, ils sont déjà en ligne, enfin une version déjà en ligne, et je vous remettrai en ligne la version de ce soir. On mettra le lien sur les commentaires du Meetup à ce moment-là. Merci. Voilà. Est-ce S'il qu'il n'y y a a pas d'autres d'autres questions? remarques, questions. Moi j'en ai une. Est-ce que tu as des recommandations pour éviter un peu l'effet sphère dans le sens où quand tu commences à apprendre certains sujets, bah, en fait tu te retrouves à suivre que des trucs dans ce sujet et avoir du mal à en sortir sans même t'en rendre compte. Sur Twitter c'est très très flagrant. Après avec les flux RSS, les blogs, tout ça, j'imagine que tu as le même un Ah peu le même ben, moi, souci. je continue à être abonné à des listes de diffusion. C'est une source d'infos que je n'avais pas mentionné. Mais je continue à être abonné à des listes de diffusion sur des technos que je ne pratique plus. Je continue comme ça à suivre un petit peu leur évolution. Ensuite,
Par exemple, InfoQ, c'est un site très généraliste et qui va me parler de sujets dont parfois je ne suis pas forcément. Je suis loin d'être un spécialiste et que je n'utilise pas. Et voilà, ça me permet de voir autre chose. Je ne dis pas que je lis tout, loin de là, ou que j'écoute toutes les confs qu'ils présentent. Parce que c'est un site qui va, où ils vont filmer des gens pendant des conférences et puis partager ces vidéos ensuite, où il y a aussi des podcasts, des articles, etc. Donc ça me permet d'avoir une veille qui n'est pas limitée à mes technos favorites, en fait, hein, tout D'accord. simplement. Alors, il y a une question sur des pistes pour rejoindre un projet open source ou pas et progresser sur un projet avec d'autres développeurs. Alors, sur les projets open source, j'ai pas forcément. Il y a des confs dédiés sur le sujet, donc je ne suis pas forcément la personne la plus qualifiée pour vous parler de ça. Hein. Il y a des talks en ligne, je pourrais essayer d'en retrouver un tout à l'heure, je vous mettrai dans les commentaires du chat. Hein. J'en ai un en tête. Hein. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est le coding dojo. J'ai oublié d'en parler, mais j'en ai fait des centaines. Benoît, ici présent, en organisant tous les mois dans le cadre du Meetup. Donc ça, c'est un bon moyen de voir d'autres gens et découvrir d'autres choses. Alors Même juste, je si on corrige, organise. parce que c'est un peu la publicité mensongère, c'est vrai quand on est en présentiel. Là, en visio, on en a fait beaucoup moins. On est plutôt à un tous les 6 mois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Mais c'est on va vrai. essayer de reprendre à la rentrée. Enfin, si on peut se retrouver, ça serait bien. Et comment jongler entre le temps professionnel, le temps perso, l'apprentissage? Alors ça, c'est effectivement une question compliquée. Ce qui est important, c'est de ne pas être excessif. J'ai eu exactement la même discussion avec une personne juste après la première fois que j'ai présenté ce talk. J'essaie de trouver du temps pour ma famille voilà, c'est indispensable de garder du temps pour la famille, pas se consacrer uniquement à son temps d'apprentissage, même si j'en fais beaucoup, c'est indispensable. Comme je disais, pour trouver du temps, comment jongler entre tous ces temps-là, c'est se donner des créneaux horaires peut-être, c'est peut-être ça planifier son temps, planifier sa semaine. Vous pouvez dire, voilà, dans ma semaine, je me réserve un créneau d'1 heure, 2 heures, ou alors une demi-heure tous les jours, comme je disais tout à l'heure. C'est ça peut-être le secret pour arriver à pas se laisser déborder ni par une chose ni par l'autre. Et il faut avoir la rigueur, la volonté de s'y tenir. J'ai organisé par exemple, c'est exactement ça, ce que je dis dans le chat, la mettre en place des routines, c'est exactement ça. Je disais, j'ai fait beaucoup de coding dojo, j'ai mis ça en place chez Orange en 2011, chez Orange Labs à Rennes. Un coding dojo hebdomadaire, et quand j'en suis parti au mois de mars cette année, ça continuait encore. Alors bon, il y a eu des perturbations avec le Covid, il faut être clair, mais si on accepte la période des circonstances exceptionnelles de l'année passée, on a fait un coding dojo toutes les semaines pendant 10 ans. Et des fois même, on en faisait plusieurs par semaine. Et ça, on le faisait délibérément sur l'heure de midi pour n'avoir aucune contrainte professionnelle, entre guillemets, aucune contrainte liée à nos projets, sauf bon, ponctuellement, on pouvait prier un midi parce qu'on avait un déplacement, quelque chose comme ça. Mais on savait qu'on avait ce moment où on se retrouvait pour coder des choses qui n'avaient rien à voir, des fois, avec le boulot. On pouvait coder un jeu, comme ça, pour découvrir un langage de programmation. Et en faisant ça en dehors des heures de bureau, entre guillemets, on n'avait de compte à rendre à personne, on pouvait travailler sur le sujet qu'on voulait. Et ça nous faisait un moment en plus de respiration, c'était sympathique, etc. Et la récurrence, la régularité, encore une fois, c'était un bon moyen voilà, d'apprendre des choses sans pour autant que ça vienne mordre sur le temps des projets, le temps personnel, etc. Alors ça mord un peu sur le temps personnel. Hein. Il y a des gens qui me disaient, bah non, moi je ne veux pas faire ça parce que je veux aller courir, je veux aller faire du vélo ou je sais pas quoi. C'est un choix. Moi, je le faisais 4 jours par semaine faire autre chose, et puis un jour par semaine, c'était le coding de jeu. Ça me paraissait acceptable.
Pascal, tu juste c'est un petit détail, peut-être tu peux couper ton partage parce que tu saccades un peu là quand tu parles. Ah, pardon. Le son était saccadé ou juste l'image? Surtout le son, mais l'image on s'en fiche, ça servait à rien. D'accord. Oui, alors c'est dommage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. T'es toujours en partage, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression aussi. On voit ta tête, mais tu as rajouté ta vidéo, Ça pardon. va Voilà, activer, c'est bon. désactiver. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. J'ai une petite question de mauvais bouton. N'y a plus d'autres questions. Merci beaucoup à toi, Pascal.